Bonjour tout le monde. Je vais attendre un petit peu encore. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés chez vous et que vous avez tranquillement bien installé pour profiter un petit peu de ce moment qu'on va passer ensemble pour parler un petit peu des CNotes. Donc j'imagine qu'en ce moment parler plongée pour vous c'est un petit peu bizarre parce que on sait bien qu'on est en train de vivre un moment. Salut Marco, merci de participer à cette présentation. Donc je sais que parler plongée un petit peu de parler plongée ça peut paraître un petit peu bizarre en ces périodes de confinement, mais je pense encore une fois que l'intérêt un petit peu de tout ça et ce qu'on a envie de faire nous en fait. Salut Laure, comment ça va? Ce qu'on a envie de faire en fait au niveau de ces différents lives Facebook en réalité, eh ben c'est de continuer même pendant la période de confinement à vous faire partager un petit peu notre passion. Salut Bruno depuis l'Égypte, le Mexique. Salut l'Égypte. Et donc en vous proposant de pouvoir justement continuer à avoir plein d'informations sur plein de choses que nous proposons dans le réseau Dune. On a eu Marco qui vous a fait une petite présentation tout d'abord sur tout ce qui était les formations professionnelles, les crossovers, les cours d'instructeurs, etc. Moi, je vais prendre le temps de parler un petit peu aujourd'hui des CNotes, d'accord? Parce que les CNotes, c'est quand même coucou Louise, comment ça va? Les CNotes, c'est quand même ce qui est très 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 spécifique à notre région ici du Mexique, et c'est souvent des choses qui sont pas forcément, enfin c'est un environnement de plongée qui est pas forcément très très bien connu. Souvent on a des gens qui vont comparer ça éventuellement à des carrières, etc. Alors qu'en fait c'est un petit peu plus complexe que ça, et puis surtout c'est quand même beaucoup plus joli. On va vous proposer aussi pendant ces différents Facebook Live, on va aussi vous parler. J'ai mon collègue Karl. Qui va vous parler de Bali très prochainement, et puis on aura plein d'autres lives qui vont traiter de différents sujets, l'apnée. De nouveau, Marco reviendra vers nous pour nous parler un petit peu de tout ce qui est plongée, sécurité, etc. Alors, je voudrais commencer un petit peu par me présenter un petit peu. Bonjour tout le monde, bonjour Philippe, salut Soso, comment ça va? Merci de votre d'être venu partager ce moment. Alors, je voulais vous parler un petit peu de Dune Mexique. Salut Steve. Comment ça va? Et en fait, j'ai souvent remarqué que les gens qui connaissent Dune, les Duniens, n'ont pas forcément connaissance du fait que Dune, c'est en fait un réseau de centres de plongée international, mais qui aussi va inclure un centre au Mexique. Donc nous, on est installé au Mexique depuis déjà plusieurs années, et on va pouvoir proposer, hola Carlos, de pouvoir parler un petit peu de vous faire des plongées au Mexique, notamment sur la Riviera Maya, avec des super plongées, que ce soit sur les récifs de Playa del Carmen, que ce soit sur les fonds de Cozumel, mais aussi les cénotes, et on va venir vraiment parler du thème maintenant. Coucou Perrine, encore une locale qui nous fait un petit coucou, super. Alors, déjà, je vais commencer par la grande question que tout le monde se pose. C'est un cénote ou une cénote? Alors, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu, souvent les gens me demandent, est-ce qu'on dit un cénote, est-ce qu'on dit une cénote? Alors, en fait, en réalité, si on prend, alors, la réalité, c'est que le mot cénote est un mot qui a été inventé, puisqu'en fait, le mot cénote, c'est un mot qui vient du maya dzonot. Dzonot, ça veut dire, en fait, littéralement, ça veut dire récipient d'eau. Et donc en fait l'idée c'est que ces cénotes qu'on appelle des cénotes viennent du nom de notes. Et donc en fait pour votre culture générale et pour pouvoir briller en société, sachez que définitivement il faut dire un cénote et non pas une cénote. Ok? Voilà. Alors pour parler un petit peu de justement de ces cénotes et de voir un petit peu comment ces cénotes ont été créées, eh bien en fait il faut comprendre que les cénotes, en fait, c'est tout simplement la partie qui est ouverte sur un plan d'eau. Encore d'autres locaux avec Carlos notamment. Désolé, la présentation est en français. Et donc l'idée, c'est effectivement d'avoir ces trous d'eau et c'est littéralement ce qu'on appelle le cénote, c'est cette ouverture justement sur le réseau souterrain. Donc en fait, ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que ces réseaux souterrains,
vont pouvoir être connectés sur des centaines de kilomètres. Et il y a une chose qui est vraiment très, très particulière par rapport à ça, c'est qu'en fait, au Mexique, spécifiquement dans la zone du Quintana Roo, où nous sommes nous, eh bien, en fait, on a les plus grands réseaux souterrains au monde. Juste pour vous donner quelques petits exemples et pour vous donner quelques petites idées. On a notamment le réseau qu'on appelle Sacactún. Alors Sacactún, c'est un ensemble de réseaux qui reprend notamment un cénote qui est très très connu par les plongeurs du coin et qui ont eu la chance de venir nous visiter, qui comprend notamment Dos Oros. Et donc en fait, ben, ce système va avoir en fait une distance complète de 350 km, ce qui est quand même assez impressionnant. Bonjour Lolo, bonjour Lo de Marseille, comment allez-vous? Donc voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, on est vraiment sur des réseaux qui sont très très étendus, avec énormément de choses à faire et à voir. Alors nous évidemment, quand on va plonger en cénote spécifiquement, on va plonger dans la partie dite caverne. Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais à moins que vous soyez plongeur certifié pour faire de la spéléo ou quoi que ce soit, on est limité à la zone de caverne. Alors, ce que je voudrais faire aussi très rapidement, je voudrais pas être trop détailliste et trop embêtant avec ça, mais j'aimerais vraiment prendre le temps de vous parler un petit peu de comment sont faits ces fameuses cénotes. Salut Philippe, qui nous fait un petit coucou du sud de la France aussi. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la péninsule du Yucatan, en fait, elle est composée principalement de débris composés de carbonate de sodium qui ont été déposés sur des millions, millions d'années par des animaux marins, notamment avec les carapaces, les os, etc., etc. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a tout ce matériel biologique qui, au cours des millions d'années, a fait émerger cette péninsule du Yucatan. Alors, il faut quand même comprendre que c'est quelque chose qui est très, très, très unique. Et c'est aussi ce qu'on verra plus tard, ce qui explique qu'il n'y ait en fait dans la région du Yucatan absolument pas de rivière. D'accord? Donc, tout ce matériel biologique qui va s'accumuler au fur et à mesure. Alors, ici, c'est la coiffure confinement, tu vois. C'est la coiffure confinement quand tu peux plus aller chez le coiffeur et que la seule chose que tu aies à peu près sur place, c'est une tondeuse. Voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, tout ce matériel sédimenteux qui va venir se poser sur le fond et qui va se mélanger avec de l'argile et qui va créer en fait cette péninsule du Yucatan. Alors, du coup, on obtient un mélange de roches qui est un mélange extrêmement calcaire puisqu'on est principalement formé à partir de carbonate. D'accord? L'autre chose qu'il va falloir prendre en considération, on avance, je vous rassure, je suis en train de résumer des millions d'années d'histoire en juste quelques minutes. Eh bien, en fait, il va se passer qu'on va avoir différentes époques glaciaires où l'eau va monter, l'eau va descendre, et à partir du moment où la péninsule du Yucatan est complètement exposée avec la baisse du niveau de l'eau, eh bien, en fait, il va pleuvoir et la pluie qui va s'infiltrer justement dans cette roche, en passant notamment justement, en passant par la terre, en prenant des bouts de végétaux, animaux, etc., va faire un mélange relativement acide. Et en fait, donc, on connaît très bien l'effet de roche calcaire, enfin du calcaire et de l'acide. Tout simplement, ça va créer de l'érosion, de la dissolution. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qui va se passer. Et donc, on a cette eau qui est acide, normalement acide, mais qui en réaction avec la roche calcaire de la zone va créer en fait sur des millions d'années encore une fois ces infiltrations et puis ces énormes galeries qu'on connaît. Deuxième phénomène qui s'ajoute à tout ça, c'est ce qu'on appelle les effondrements. Alors, encore une fois, et ça c'est à cause tout simplement du niveau d'eau de mer qui monte et qui descend, on va avoir justement on a ce qu'on appelle l'aquifère. Et l'aquifère, en fait, c'est justement ces niveaux d'eau qui sont relatifs au niveau de la mer. Et vous comprenez bien que si maintenant il y a une énorme voûte qui s'est créée, qui est soutenue principalement par de l'eau et que le niveau d'eau s'abaisse, ce qui va se passer, c'est que ça va créer un effondrement du toit de roche qui va s'effondrer sur son propre poids. Et donc, tout simplement, ça crée nos fameux cénotes. Voilà. Donc, vous savez à peu près tout sur la formation des cénotes. Alors, des fois, on entend un petit peu parler cette histoire de météorite, ce fameux météorite qui aurait tout défoncé sur son passage et qui aurait créé les cénotes. Alors, en réalité, pas vraiment. Il faut comprendre que ce météorite, c'est 65 millions d'années plus tôt. Donc, c'est quand même évidemment
Le fait que ce météorite soit tombé, ça a créé un petit peu, ça a rendu la roche un petit peu plus friable et plus fragile, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui a créé les cénotes spécifiques. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour le côté histoire, formation des cénotes. On va pouvoir parler un petit peu plus de plongée maintenant et aussi comprendre un petit peu justement l'intérêt de ces cénotes, tant pour les habitants locaux que pour les habitants de la mésoaméricains et que pour les populations mayas. Comme je disais auparavant, il n'y a pas de source d'eau dans la péninsule du Yucatan. Et donc, on comprend bien que pour les Mayas, pour les Mésoaméricains, eh bien, en fait, le seul moyen de pouvoir trouver de l'eau pour pouvoir cultiver, bonsoir Crazy Pat, le seul moyen de pouvoir justement cultiver, de pouvoir se laver pour l'hygiène, etc., c'était d'avoir ces accès à ces sources d'eau, entre guillemets, puisque évidemment il n'y a pas d'autres sources d'eau. Voilà. On a trouvé aussi, alors quand je dis on, c'est pas forcément moi, hein, ce sont des archéologues, mexicains, des équipes internationales qui travaillent. On a trouvé des ossements, on a trouvé des foyers de feu, etc. Ce qui est bien la preuve justement que différentes choses. Soit il y a eu des animaux marins. On a certains cénotes où on a retrouvé notamment des ossements de mégalodons. Vous pouvez imaginer. On a aussi des cénotes où on a retrouvé des ossements, que ce soit d'hommes, que ce soit d'animaux préhistoriques, notamment les paresseux géants, etc., etc. Alors quand je parle des ossements d'hommes, je vous rassure, c'est rien de récent. Hein, ça reste historique. Ok? Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'histoire des cénotes. Je pense pas vouloir aller beaucoup plus loin dans le développement de cette partie-là parce que je voudrais pas non plus être trop technique et trop embêtant. Et j'imagine que vous avez surtout très 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 envie d'entendre parler de plongée. Alors, la plongée en cénote, comment ça se passe? La première chose qu'il faut savoir, c'est pourquoi on veut aller plonger en cénote. Salut Diego, salut Ril. Pareil, Florian qui nous pareil qui nous parle du Mexique. On a des supporters ici, super. Et donc l'idée, c'est que nos cénotes, comment ça se passe? Eh bien, déjà c'est un type de plongée un petit peu atypique, spécifiquement si on parle de plongée un petit peu dans les Caraïbes. Généralement, quand on va dans une station, les Caraïbes ou quoi que ce soit, avoir tendance à s'imaginer partir en mer dans une eau dans une eau turquoise, etc., etc. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, c'est un petit peu atypique parce que la première chose qu'on va faire, c'est que on va partir en camion, en camionnette, d'accord? Et Malice, écoute, effectivement, tu as totalement raison de venir t'intéresser à différentes destinations. Alors, oui, tout le monde peut plonger en cénote, me demande ici sur Dune Academy Marco. Alors, quand je dis tout le monde, tous les plongeurs certifiés, d'accord? Bonsoir Candy. Pour pouvoir plonger en cénote, il faut un plongeur certifié. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire évidemment, on ne peut pas faire de formation baptême ou d'ISD. Salut Edouard, bienvenue. Mais à partir du moment où on est open water ou niveau 1, en fait, on va pouvoir plonger en cénote. D'accord? Et justement, j'allais venir un petit peu sur cette notion de comment sont organisées les plongées. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va partir en camionnette. On part avec 4 plongeurs maximales par guide. Ce qu'il faut voir, c'est que votre guide doit être un guide qui est spécifique. Ça veut dire un guide qui est certifié plongée spéléo, d'accord? Et donc, vous ne pouvez pas aller plonger tout seul dans les cénotes. Vous devez partir avec un guide certifié, qualifié, qui va pouvoir vous emmener sur les zones de caverne. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à la plongée qu'on va faire dans les cénotes, c'est qu'on va faire des plongées dites cavernes. Qu'est-ce que c'est qu'une plongée caverne? Pareil, sans trop rentrer dans les détails, c'est une caverne ou c'est une plongée, pardon, où en fait, dans tout le parcours qu'on va suivre, on est en fait, on va suivre une ligne qui est déjà posée et en fait, on a toujours la lumière naturelle du jour en visu. Donc, ça peut aussi rassurer les personnes qui sont les moins expérimentées ou qui se posent des questions un petit peu. Souvent, on entend aussi justement cette espèce de notion sur les cénotes, c'est super obscur, c'est étroit, etc. Non, pas du tout. Nous, ce qu'on vous emmène faire, c'est pas de la plongée spéléo. On vous demande pas de crapahuter dans la gadoue, de vous accrocher partout sur les murs, etc. On va vraiment vous emmener sur des environnements
qui sont totalement adaptés à votre niveau de plongeur et votre niveau de formation. Alors, ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ça, c'est que concrètement, les cénotes, on va voir des cénotes qui sont très très différents. Alors, ça paraît peut-être pas. Salut Flo, comment ça va? Ça paraît peut-être pas évident parce qu'on a tendance à penser ouais, mais une grotte, c'est une grotte. Ouais, sauf qu'en fait, non. Pourquoi non? Premièrement, bah parce que en fait, on va avoir des cénotes qui sont plus ou moins lumineux. On va avoir des cénotes qui sont plus ou moins, on va trouver plus ou moins des fossiles. On va pouvoir trouver plus ou moins des spéléothermes, etc., etc. D'accord? Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les niveaux, pour tous les niveaux d'expérience. Donc, je reviens un petit peu sur l'organisation des cénotes, des plongées en cénotes dans la région. Comment ça se passe? Donc, on va parcourir entre 30 et 50, 60 minutes de voiture pour arriver sur les différents cénotes, et donc on va pouvoir commencer nos plongées. Alors, j'expliquais que le guide est donc un guide certifié spéléo, mais vous n'avez absolument, encore une fois, pas besoin d'être vous-même certifié de plongeur spéléo. Ce qu'on va aussi trouver au niveau de donc ce qu'on va pouvoir. Salut Joël, dis donc, ça fait bien longtemps. Comment ça va? Ce qu'on va pouvoir retrouver dans les cénotes, donc, comme je le disais auparavant, des environnements super super différents. Bonjour Lisa. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir. Au fait, si vous avez des questions, hein, des choses que vous entendez, que vous sentez que je ne réponds pas ou que vous avez des attentes spécifiques, n'hésitez surtout pas. D'accord? J'ai vos petits commentaires qui apparaissent là sur le côté. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. D'accord? Donc, j'étais en train donc de dire que sur nos différents cénotes, on va donc pouvoir emmener des personnes différentes en fonction de leurs besoins, de leur envie et de un petit peu ce qu'ils vont sentir, s'ils vont se sentir ou non à l'aise par rapport à ces environnements. D'accord? Donc, j'ai envie de décrire un petit peu les cinq choses qu'on peut vraiment trouver dans un cénote pour essayer de comprendre, parce que c'est vraiment la question qui revient aussi, c'est qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit dans ces cénotes? Donc, premièrement, j'en ai un petit peu parlé. La première chose qui est vraiment extraordinaire, salut José, c'est premièrement les jeux de lumière. D'accord? Rappelez-vous qu'on est sur la zone de, on est sur la zone de caverne, ce qui veut dire que du coup, on a ces rayons de lumière. Évidemment, vous avez parfois vraiment l'impression de rentrer, en fait. C'est comme si vous étiez dans une église avec ces rideaux de lumière. C'est juste fantastique. D'accord? Alors, on a Si qui me demande si on peut plonger toute l'année en cénote. Eh bien oui, figure-toi. Figure-toi que c'est aussi un des gros, gros, gros avantages. Pour nous, c'est une super opportunité, en fait, qu'on a ici dans la région parce qu'en fait, quand on a des mauvais temps, quand on a le port qui est fermé ou quoi que ce soit, on va pouvoir vous offrir d'aller plonger en cénote. On a eu d'ailleurs justement, petite anecdote pour terminer un petit peu nos derniers jours avant le confinement, on a dû sortir des bateaux, etc., pour différentes raisons. Et on avait des plongeurs qui étaient encore présents et ils ont été enchantés de pouvoir justement finir leur plongée. On les a emmenés dans des super cénotes, ils ont passé un super moment et voilà. Alors, où sont les cénotes? Alors, les cénotes, José, c'est typiquement ce qu'on appelle un cénote, encore une fois, pour être un petit peu technique, c'est dans la péninsule du Yucatan. On va en trouver un petit peu aussi ceci dans la zone de la République dominicaine, d'accord? Parce que les cénotes, effectivement, ce sont des structures géologiques qui sont très spécifiques, et les cénotes telles qu'on les connaît, c'est dans la péninsule du Yucatan, spécialement dans l'état du Yucatan et dans l'état de Quintana Roo. Donc voilà. Donc, première chose qu'on va pouvoir trouver sur un. J'espère avoir répondu à tes questions, José. Si aussi, hein, si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas, avec grand plaisir. Au niveau de l'intérêt des plongées qu'on va pouvoir aussi avoir dans nos cénotes, c'est les spéléothermes. Alors, spéléotherme, c'est un terme qui regroupe de manière générale tout ce qui est. Est-ce que tu as des cénotes qui t'ont plus marqué que d'autres? Ouais, très bonne question. Là, je vais te répondre tout de suite, maintenant. Je t'en prie, José, avec grand plaisir. Alors, parmi les cénotes qui m'ont plus marqué,
Oui, il y en a. Alors, je vais être assez banal dans ma réponse. Je dirais que le un qui m'a le plus marqué, c'est mon premier CNote. Mon premier CNote, c'était un site qui s'appelle Chacmol. Alors, c'est un très joli CNote, mais je pense que ce qui m'a vraiment le plus impacté, c'était que pour moi, c'était la première fois que je faisais une plongée dans cet environnement-là. D'accord? Et en fait, c'est très surprenant quand on est un plongeur mer de se retrouver dans un environnement qui est plus obscur. On se retrouve dans un environnement qui est super minéral. Et en fait, et c'est vrai qu'au départ, on a un petit peu ce réflexe de dire, mais il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de… Mais en fait, très rapidement, l'œil va être attiré par différentes choses, par les spéléothermes, justement, j'allais commencer à parler un petit peu de ça. Donc voilà. Parmi les autres cénotes qui m'ont beaucoup marqué, il y en a un qui m'a particulièrement marqué quand je l'ai fait la première fois que je l'ai plongé, j'y suis retourné deux, trois fois de suite sur les jours qui s'appelle Angelita. Angelita, c'est un cénote qui est un petit peu plus au sud, qui est presque passé Touloum. Et en fait, la grosse spécificité de ce cénote, c'est qu'on va à un… Alors en fait, c'est un puits, d'accord? Donc c'est pas vraiment de la caverne comme on peut imaginer les autres cénotes. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'on voit vraiment un effondrement du toit. Et en fait, ce qui s'est passé, cet effondrement et avec la végétation en décomposition, il y a des bactéries en fait qui mangent, qui éliminent ces végétaux et ça crée de l'acide sulfurique et ça fait un énorme nuage et on a l'impression d'arriver sur un nuage, on passe au travers de ce nuage, enfin c'est quelque chose de vraiment fantasmagorique. Je sais pas, moi je suis fan des films de Tim Burton et j'ai vraiment retrouvé, je sais pas, j'avais l'impression d'être dans un film de Tim Burton avec ce monde un petit peu surprenant. Alors, les cénotes dont je… Oui, effectivement, Crazy Pat, hein, en réalité, un super souvenir. Alors, les noms des cénotes décrits, Sandrine, très rapidement, en fait… là, j'ai parlé de Chacmol, j'ai parlé d'Angelita, mais il y a aussi des environnements qui sont complètement fous, tels que le Pit d'Oz, qui est extraordinaire. On va avoir des endroits car wash où on a plein de plongées. On va avoir notamment un jardin avec des nénuphars. Enfin, encore une fois, on a l'impression… C'est irréel, on a l'impression de voler et voilà. Donc c'est voilà, il y a plein d'environnements différents. On a Sapote, Maravilla, enfin beaucoup beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est fou, c'est de savoir à quel point justement ça peut être diversifié. On va avoir tendance à penser qu'une fois que j'ai fait un cénote, j'ai fait tous les cénotes. Je peux vous assurer qu'on peut tranquillement organiser une semaine de plongée cénote et vous serez surpris tous les jours. Alors Malijo. Bon, juste répondre à Louise d'abord qui me pose une question. Donc les cénotes sont forcément à ciel ouvert ou on peut en faire en plongée spéléo. Alors en fait, Louise, le cénote en soi, oui, il est à ciel ouvert. Mais la partie de plongée qu'on va faire, elle va être en caverne. Donc encore une fois, après, parlez bien proprement des choses. Effectivement, il y a ce qu'on appelle la zone de caverne et il y a ce qu'on appelle la zone de grotte, d'accord, qui sont des environnements un petit peu différents. Nous, en tant que plongeurs, on peut vous emmener faire des plongées en fait en zone de grotte, à moins que vous soyez certifié plongeur spéléo. Voilà. Mali, je te rassure, oui, tout à fait. Nous avons des plongées en cénote, mais aussi énormément d'autres plongées au Mexique. On a notamment des plongées sur Playa del Carmen, on a Cozumel. On a Puerto Morelos, etc., etc. Et en fait, pour parler, on a Sean aussi qui est là. Petit coucou pour Sean. Donc, on a énormément de variétés de plongées différentes. Et en fait, ce qui est très, très chouette dans notre région, c'est qu'on a non seulement une variété de plongées, mais en plus, on a une saisonnalité. C'est-à-dire que si vous venez en hiver, vous allez pouvoir voir des requins bulldogs. Si vous venez en été, vous allez pouvoir voir des requins baleines. Dans la saison d'hiver, on a aussi des espadons, etc. Donc en fait, on a vraiment une très 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 grande diversité, tant que ce soit au niveau des environnements de plongée que justement ce soit en termes de saisonnabilité, pardon, et donc des animaux. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Malice, et à tous les autres aussi. Donc, je m'étais lancé sur les spéléothermes. Alors, les spéléothermes, on avait dit que c'était justement enfin, c'est un terme général qui reprend tout ce qui est formation, d'accord? Donc, les formations géologiques, hein, où on a notamment bah, les stalactites,
les fameux qui tombent avec le T, les stalagmites, les fameux qui montent avec le M. Merci Myriam, merci beaucoup. Et puis un coucou, fils. Coucou Carole, comment vas-tu? Comment ça va les Philippines? Et donc, concernant ces spéléothermes, donc on a les plus connus, effectivement, qui sont stalactites, stalagmites, qui sont ceux qu'on connaît, mais on a aussi justement, on va avoir des colonnes qui forment, quand les stalactites et les stalagmites se retrouvent, se croisent et se touchent et forment une colonne, on a ce qu'on appelle les rideaux, qui se fait dû aussi au fait que le vent a fait que ça a fait déplacer les petites gouttes sur le côté, etc. etc. José, certifié PADIS, c'est bon, bien sûr. Alors, bien sûr. Alors, oui. En tant que PADI, tu es absolument capable de pouvoir plonger en ces notes pour commencer, puisqu'encore une fois, avec un open water, on peut t'emmener plonger en ces notes. Et effectivement, il existe aussi une spécialité qu'on peut faire qui te permet de plonger en caverne. Donc, c'est différentes choses qu'effectivement, on peut faire absolument. Je voudrais savoir s'il est possible de venir avec son Revo. Alors, effectivement, on a reçu ici chez Dune Mexique, on a reçu plusieurs fois des plongeurs, pardon, des plongeurs recycleurs. Et donc, il n'y a aucun problème. Juste savoir s'il s'agit de faire de la plongée, s'il s'agit de faire de la plongée caverne. Ce qu'il faut aussi savoir, ceci dit, et c'est une autre chose que je vais développer un petit peu plus tard, c'est que les cénotes qu'on a ici, nous, les plongées cavernes qu'on a ici, on a en plus un super avantage. Le super avantage qu'on a en réalité, c'est qu'on a de l'eau qui est relativement de la plongée en caverne, puisqu'on est quand même à 24-26 degrés. Je pense que pour ceux qui plongent un petit peu dans le Lot, ça va leur paraître très très chaud. On est finalement sur des environnements qui sont pas si profonds que ça. Ça veut dire que la profondeur moyenne des cénotes qu'on plonge, c'est 8-12 mètres. Ce qui veut dire qu'effectivement, même à circuit ouvert, en fait, on a déjà une très très bonne autonomie. Voilà, d'accord? Mais effectivement, on peut te recevoir avec ton Revo, il n'y a aucun problème. Alors, Louise, est-ce qu'on propose des formations plongée souterraine? Tout à fait, d'accord? Je m'en occupe moi-même d'ailleurs. Oui, absolument, on fait ça. On peut te former aussi à la plongée souterraine. Donc peut-être qu'après ton IDC, si on arrive à finaliser tout ça, eh bien aussi on pourra enchaîner, si tu le souhaites, avec ta formation de caverne et spéléo. José, toi qui es instructeur, donc encore une fois, aucun souci pour toi. Il n'y a aucun problème pour t'emmener faire ces plongées. Voilà. Donc la deuxième chose que j'ai développée, c'était effectivement cette histoire de spéléothermes. La troisième chose qui est super chouette qu'on va pouvoir croiser aussi dans les cénotes, c'est les fossiles. Alors dans certains cénotes, on va trouver des fossiles qui vont être soit des fossiles de coquillages, des fossiles de coraux, et parfois même. Alors généralement c'est un petit peu plus loin qu'il faut aller, mais on va trouver aussi des ossements. Et en fait c'est vraiment quelque chose qui est assez chouette parce que encore une fois il faut imaginer que on a pris la voiture pendant 30-40 minutes, on est rentré peut-être 2, 3, 4 km dans la forêt, on est à plusieurs kilomètres de la côte. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des fossiles marins. D'accord? Donc encore une fois, ça nous donne beaucoup beaucoup d'informations sur justement un petit peu ce qui a pu se passer et l'histoire géologique un petit peu de la zone. Voilà. Donc on a parlé des jeux de lumière, on a parlé des spéléothermes, on a parlé des fossiles. Il y a un autre phénomène qui est quand même aussi très très spécifique à la et qui est un must de must, c'est l'halocline. D'accord? Donc l'halocline, qu'est-ce que c'est? L'halocline, on connaît le terme thermocline. Vous avez deux couches d'eau de température différente et donc des densités d'eau différentes et ça fait cette espèce de petit, de petit je sais pas dire brouillard, mais en tout cas zone un petit peu floue. L'halocline, c'est deux eaux différentes où on a de l'eau douce et en dessous de l'eau salée. Et donc on est vraiment sur une zone de, enfin on a l'impression que c'est un calque littéral. On a l'impression que c'est une bande d'eau qui ne se mélange pas. Salut Corentin, comment ça va? Et effectivement, on a donc cette vision de
complètement folle d'avoir cette zone de mélange des deux eaux. Et quand on rentre dans cette zone, effectivement, ça va mélanger un petit peu les eaux et ça fait quelque chose d'un petit peu flou. Mais c'est un joli flou. C'est pas, n'imaginez pas qu'on est dans une carrière où on a 10 cm de visibilité et on sait pas où on va. D'accord? Donc voilà, ça c'est la locline aussi qu'on va pouvoir trouver dans certains cénotes. Sandrine, je vois que tu me demandes plus loin à quelle distance de Playa Carmen. Alors en fait, littéralement, le cénote. Alors, je comprends pas. J'imagine. Est-ce que tu demandes les cénotes qui sont plus éloignés? Je vais essayer de répondre à ta question. Les plus proches, on va les trouver à 20-25 minutes, en mol. Et plus loin, effectivement, on a des cénotes telles que Tulum, pardon, Angelita, on a Zapote, Maravilla. On a aussi des cénotes dans la péninsule du Yucatán, hein. Donc on a carrément des cénotes qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres, pour pouvoir. Enfin voilà, encore une fois, dans l'absolu, il y en a des milliers, d'accord? Des cénotes plongées, peut-être sur la péninsule du Yucatán, je dirais 80-100, hein, et on a vraiment depuis 20 minutes de voiture de Playa del Carmen jusqu'à 3-4 heures de voiture si on va dans les cénotes du Yucatán. Okay? Hola Mario, ¿qué tal? Alors par rapport aux ossements, oui. Alors par rapport aux ossements, bon, on va pouvoir trouver des petits ossements déjà. Alors tout dépend un petit peu ce que tu recherches, tout ce que tu. Ce que, alors ok, d'accord, je comprends le contenu de la question. C'est à quelle distance à l'intérieur du cénote? Ça y est, j'ai compris. C'est pas la distance depuis le centre de plongée. Écoute, très récemment, la plupart des ossements vont être accessibles. Plongée spéléo qu'en plongée caverne en réalité. Pourquoi? Parce que généralement les zones qui sont les plus accessibles, soit il y a des gens qui ont pris, soit été déplacés, etc., etc. Donc effectivement, pour trouver véritablement des ossements, c'est déjà un petit peu plus loin. Voilà, des fossiles, on peut en trouver même en plongée caverne. Des ossements, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Hein. Il y a certains cénotes quand même dans la péninsule du Yucatan, ou justement dans l'état du Yucatan, pardon, où on va pouvoir trouver encore des ossements. Il y avait une question, il me semble, de Lisa. Ah oui, alors, est-ce que des personnes continuent encore à chercher des cénotes aujourd'hui? Absolument. L'idée, c'est qu'en fait, je disais un chiffre tout à l'heure. Je vous ai parlé de 1000 cénotes. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas si c'est 1000, on ne sait pas si c'est 5000, on ne sait pas si c'est 10 000. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la péninsule du Yucatán, justement, c'est un morceau de gruyère complet. Ça veut dire qu'en fait, il y a des milliers, milliers, milliers de kilomètres de galeries souterraines où l'eau circule et avec justement des milliers enfin, je crois que c'est même des millions, voire, oui, peut-être pas des milliards, mais en tout cas des millions de litres d'eau qui s'écoulent. Et donc, effectivement, il y a encore énormément de projets d'exploration qui sont en cours. Que ce soit, j'ai envie de dire, presque dans l'arrière-jardin de gens qui ont un petit terrain à la campagne à quelques minutes de Playa del Carmen, comme en plein milieu de la campagne dans le plein centre de la péninsule du Yucatán. Okay? Donc voilà. Donc, Sandrine, je pense avoir répondu à ta question. Du coup, j'ai compris le sens de ta question. Merci Eric. Je tiens aussi à mes ossements. Merci beaucoup. Et un petit coucou pour Marcel. Est-ce qu'ils en trouvent encore? Donc Louise qui reprend la question aussi effectivement que posait Lisa. Oui, tout à fait. Donc voilà. Hein, donc il y a encore plein de projets d'exploration qui sont en cours. Et en réalité, il y a même des projets qui sortent à la lumière alors qu'ils sont en fait en cours depuis des dizaines d'années. Peut-être pas des dizaines d'années, j'exagère un peu, mais depuis plusieurs années. On a eu notamment le cas dans un cénote ici qui s'appelle Sapote, d'un plongeur explorateur qui a trouvé un ossement qui a été repris, qui a donc déclaré sa découverte à l'Institut d'anthropologie mexicain. Et donc, il y a eu toute une équipe d'archéologues sous-marins qui sont venus travailler. Et en fait, ils ont réussi à sortir en fait un crâne de paresseux géant. Et en fait, c'est encore une fois quelque chose qui est quand même assez fou.
Parce qu'on parle d'un animal qui a vécu il y a plusieurs millions d'années dans la péninsule du Yucatan. On parle d'un animal qui n'existe plus actuellement dans son état, mais même géographiquement. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette région du Mexique, à ma connaissance, il n'y a pas de paresseux. Et voilà. Et donc, il faut imaginer que c'est un animal qui faisait, je sais pas, moins de 9 mètres de hauteur. Il y a des carapaces on peut trouver des carapaces de tortues, on peut trouver des ossements même d'échinidés. Alors que pendant très longtemps, on disait qu'il n'y avait pas d'échinidés en Amérique. Je me réfère à des types chameaux. Et puis, il faut aussi savoir que dans un cénote au sud de Touloum, on a trouvé les ossements humains les plus anciens du continent américain. D'accord? Donc, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses et il y a encore beaucoup, beaucoup de pistes qui sont explorées. Effectivement, comme tout ça, c'est fait par la suite en exploration, mais aussi conjointement avec des organismes scientifiques, gouvernementaux, internationaux, etc. Il y a toujours en fait un petit peu de temps entre le moment où c'est découvert, le moment où c'est étudié et le moment où c'est publié. D'accord? Parce qu'en réalité, travailler avec des ossements qui sont dans de l'eau depuis des millions d'années, c'est très compliqué. D'abord, il faut imaginer faire des photos, faire des dessins, imaginer. Enfin voilà, c'est de l'archéologie. C'est très très compliqué de. Oui, c'est fou, hein, Louis, c'est complètement fou. C'est très très compliqué de déplacer les os si nécessaire. Une fois sorti de l'eau, eh bien, ces os vont être très difficiles à conserver. Enfin voilà, c'est très 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 complexe. Voilà. Et je reviens un petit peu pour être sûr de rien rater. Il y a Sonia aussi qui vient faire un petit coucou. C'est très gentil, Sonia. J'espère que tu vas bien en Belgique. Et du coup, voilà. Donc, je reviens un petit peu. J'espère ne pas être trop décousu dans ma présentation. J'essaie de répondre à vos questions en même temps que vous, que j'essaie de suivre un petit peu le fil conducteur. C'est de ma faute, hein, c'est moi qui vous ai demandé de poser des questions. N'hésitez pas, continuez, c'est l'idée, d'accord? Plus c'est interactif, mieux c'est. Je voulais parler un petit peu aussi justement de l'aspect pour les photographes. Les cénotes, c'est quelque chose qui est quand même super, super, super unique en termes de paysage. Et si vous êtes photographe et que vous voulez faire de la photographie screen, et que vous aimez faire la photo et d'ambiance, c'est vraiment le lieu parfait. Merci Malice, merci beaucoup. Alors Sandrine, tu avais parlé de 5 points. De 5 points. Alors je suis perdu un petit peu, je sais plus. Est-ce que tu peux revenir sur ce message et me dire un petit peu un but sur ces 5 points? Merci Soso. Je comprends, j'ai peut-être dit quelque chose que je n'ai plus en tête et du coup, j'ai peut-être dit une bêtise aussi d'ailleurs en parlant de mes 5 points. Si tu pouvais juste repréciser un petit peu la question, s'il te plaît, je suis désolé. Donc voilà, donc si vous êtes photographe et que vous aimez un petit peu faire de la photo de paysage et d'ambiance, eh bien c'est pareil, c'est un environnement qui est vraiment unique. Alors juste petite chose aussi que je tiens quand même à préciser. Premièrement, pour que vous puissiez vous organiser, mais aussi parce que l'idée c'est que vous soyez pas trop déçus. Si vous prévoyez un voyage au Mexique et que vous décidez notamment de venir faire de la photo dans les cénotes, il y a deux choses. Je vois que Sandrine suit, c'est super, merci beaucoup. Je reviens sur le dernier point, effectivement. Et donc, c'était les paysages, je parlais des photos. Merci beaucoup. Et donc, première chose à savoir, il y a pas mal de cénotes qui font payer les appareils photo, d'accord? Donc ça, c'est complètement indépendant de nous, malheureusement, et c'est quelque chose qu'on peut vous informer auparavant, comme ça vous avez une petite idée du budget, puisque il y a des prix qui sont spécifiques en fonction des différents cénotes, puisqu'en fait les cénotes sont des terrains privés,
D'accord. Donc, quand en fait, nous, on va plonger dans un cénote, on arrive chez quelqu'un, on paye le droit d'entrée. Et s'ils veulent faire payer les appareils photo, eh ben, ils font payer les appareils photo. Et c'est quelque chose qu'on retrouve cependant de plus en plus dans la région. Donc, premièrement, savoir qu'effectivement, il va falloir considérer ça en budget. Et nous, c'est quelque chose qu'on peut vous informer largement en amont pour que vous ayez déjà une petite idée de combien ça peut représenter. Deuxièmement, si vous avez juste le petit appareil photo compact avec le flash, oublié, d'accord? Il va falloir quand même de la bonne lumière, d'accord? Nous, évidemment, quand on va une plongée en cénote, on a toujours des lumières qu'on va vous passer, mais si vous voulez vraiment avoir des rendus un petit peu sympas en photo, en vidéo, il va falloir être un petit peu équipé quand même. C'est pas avec votre petit flash d'appareil photo réflexe que vous allez faire quelque chose de grandiose. Grosso modo, vous allez voir des photos qui sont soit très très sombres, pardon, très très floues. Enfin voilà, sans grand intérêt. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse pour les photographes. Et effectivement, c'était un petit peu la notion de dire que c'était mon dernier point en tout cas par rapport à la plongée en cénote. Par rapport à excusez-moi, par rapport donc à qui peut les plonger, je reviens un petit peu sur le fait que n'importe qui peut les plonger à partir du moment où on a de lien de l'intérêt spécifique. Et donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense avoir déjà un petit peu parlé de ça, mais je voudrais revenir dessus quand même pour que ce soit bien clair, c'est qu'il y a vraiment de la plongée pour tous les niveaux. Je vous parlais un petit peu de ces personnes qui se sont retrouvées dans l'avant-confinement au Mexique et qui sont retrouvées, on a d'ailleurs une personne qui avait prévu carrément de faire 3 semaines de plongée cénote, et je peux vous garantir qu'il n'y a pas eu une journée où elle a été déçue et tous les jours c'était une crise. Je t'en prie, merci à toi, Sandrine. Et vraiment, on est parti sur des cénotes qui étaient relativement accessibles, qui sont parfaits premièrement pour une première expérience. Et puis crescendo, on peut aller sur des choses qui sont de plus en plus techniques. Quand je dis technique, on reste encore totalement dans les limites de la plongée facile et accessible, hein. On n'est pas en train de vous demander de crapahuter dans la boue, mais qui effectivement vont demander alors j'allais y venir justement, Eric, puisqu'effectivement on peut faire de l'apnée et du snorkeling. J'allais y venir effectivement un petit peu plus tard. Et donc voilà, il y a vraiment pour tous les niveaux et c'est vraiment pour vous aussi potentiellement une première découverte de ce que peut être la plongée souterraine. Et donc comme le dit notre ami Eric, comme le demande en tout cas notre ami Eric, est-ce qu'on peut faire de l'apnée et du snorkeling en cénote? Eh bien, en fait, tout à fait. Alors, le snorkeling, on va pouvoir le faire dans les zones principalement qui sont ouvertes, puisque très souvent, ces effondrements ne sont pas très très profonds. On a des profondeurs qui vont être comprises entre les 50 cm et, je ne sais pas moi, 3-4 mètres de profondeur, 5 mètres de profondeur maximale, et on va pouvoir absolument vous emmener en fait faire du snorkeling. Et en fait, on organise ça. Il y a un cénote, notamment aussi d'Ossoros, où on va pouvoir aussi aller dans les zones de cavernes, puisqu'en fait, il y a toujours de l'air libre, il y a toujours une poche d'air libre qui nous permet de pouvoir rentrer depuis la partie ouverte jusqu'à la partie de la caverne et pouvoir ressortir. Donc ça, c'est pour le snorkeling. Pour l'apnée, on a ce qu'on appelle en anglais des sinkholes, qui sont en fait, on pourrait traduire ça, des puits d'eau en fait, d'accord? Et on a notamment, pour ça, on a le pit, on a Angelita, on a Maravilla, on a plein d'autres. Et en fait, on a dans ces notes-là la possibilité absolument de pouvoir faire de l'apnée, puisqu'on a des profondeurs qui sont assez vertigineuses, hein, puisqu'on arrive sur certains d'entre eux à dépasser les 40, 45, 50 mètres, certains d'entre eux peut-être plus. Donc voilà. Donc on va pouvoir autant organiser des sessions de snorkeling que des sessions de freediving. Alors, si vous avez un petit peu d'intérêt justement dans la partie apnée, notre collègue Eric, qui justement lui présente le 5, il me semble, le
5 va présenter va faire un, va animer un, va animer, pardon, un Facebook Live, pardon, j'en perds mes mots, à 17h30, d'accord? Donc, prenez rendez-vous aussi pour le rejoindre et vous aurez plein d'infos sur la plongée en apnée. Alors, plusieurs questions qui sont ressorties. J'essaie de récupérer un petit peu le retard très rapidement. Malice, vous ne faites pas la formation Simont? Absolument, on fait la formation Simont. Absolument. Hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On organise ça sans aucun problème. Eric, on t'attend avec grand plaisir. Louis, je vais juste revenir un petit peu. Lisa, tu es tombée amoureuse de Suite des Cénotes où ça a été plutôt progressif. Alors, je vais être super honnête avec vous. Mes premières plongées en Cénotes, j'ai vraiment bien aimé. Mais je me suis dit que quand même, la mer, c'était bien. Et en fait, j'ai un très, très bon ami ici au Mexique qui est plongeur, explorateur et formateur d'instructeur de spéléologie. Et c'est vraiment lui qui m'a poussé à aller un peu plus loin et qui me disait, mais quand je sens que ça va te plaire, fais-le, essaye, etc. Et en fait, j'y suis venu relativement tard, puisque c'est seulement après avoir passé 10 ans ici au Playa del Carmen que je me suis vraiment mis à la plongée spéléo. Et là, par contre, ça a été une claque. Ça a été une claque, ça a été d'un coup une révélation, ça a été ouais, c'est ce que je veux faire. Et pour vous donner un petit peu un exemple, moi j'adore la plongée, que ce soit en mer, que ce soit en cénote, etc. Il y a aucun problème, je suis juste amoureux de d'être sous l'eau. Mais effectivement, c'est vrai que si j'ai un jour off, si j'ai un petit peu de temps, etc. Ben c'est dans un cénote que je vais aller, parce que déjà, il y a ce petit esprit exploration, même si on ne va pas forcément découvrir des choses nouvelles, mais ces environnements qui sont très peu plongés, on va découvrir des environnements où finalement il y a eu très peu d'accès. Et puis, c'est vraiment un environnement qui est très particulier. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ça permet de se. Pour moi, c'est un petit peu ma thérapie de me revenir, recentrer un petit peu sur moi-même, tout en étant très, très concentré sur ce qu'on fait, parce que c'est quand même une plongée un petit peu technique et il ne faut surtout pas se tromper. Sur plein de petits détails, mais en même temps, je vous parle de plongée spéléo ici, hein, je ne parle pas de plongée grotte, qui est quelque chose qui est beaucoup plus accessible, évidemment. Mais voilà, oui, effectivement, donc oui, je crois que c'était Lisa qui demandait, oui, mon amour pour les cénotes n'a pas été un coup de foudre, ça a été de l'amour à long terme, voilà. Voilà, ouais, Perrine, comme tu le dis, effectivement, Maravilla, hein, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai raté? Salut Gus. Le 5 mai, ouais, Eric nous rappelle. Bien sûr, le Simont, évidemment. Du coup, il n'y a pas énormément de vie en termes de faune. Alors, oui et non. Oui, parce que effectivement, c'est pas un récif corallien avec des poissons de toutes les couleurs, vert, rouge, orange, jaune, d'accord? Et en fait, il y a quand même tout un écosystème. Alors, il faut vraiment considérer que les cénotes, enfin la plongée qu'on va appeler ici en cénote, elle est vraiment divisée en trois. Moi, je l'ai divisée en trois zones. Il y a la partie ouverte, il y a la partie grotte et la partie caverne et la partie grotte. D'accord. Dans la partie ouverte, on peut imaginer toute la faune aquatique, flore et faune eau douce. C'est-à-dire qu'on va trouver des cyclidés, on va trouver des tétras, on va trouver des tortues, on va trouver des canards. Enfin, c'est pareil, c'est assez fou. On est en train de plonger ou de s'exercer dans ces entrées de cénotes. Et d'un coup, on voit un canard qui plonge, qui ramasse, qui chope un poisson et qui remonte. On a des cénotes, petits crocodiles, par exemple. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Et la végétation, etc. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. La zone de caverne, on est dans une zone un petit peu intermédiaire, parce que comme je l'expliquais, il y a encore la lumière du jour, mais ça devient un petit peu plus sombre. Et donc en fait, on va avoir encore quelques petits cyclidés, on va avoir des crevettes par exemple, ou voir des écrevisses. On peut trouver encore des tortues qui viennent se protéger un petit peu à l'ombre, etc. Et effectivement, tout est beaucoup plus noir et blanc, d'accord ? On perd les couleurs et on est beaucoup plus sur du noir et blanc. Dans la zone de grotte, proprement dite, là, effectivement, ça s'approvit énormément. On va avoir des poissons, on va trouver encore quelques tétras, on va trouver quelques poissons albinos,
des crevettes albinos et puis d'autres types de crustacés qu'on va pouvoir trouver. Voilà. Sandrine, si on part sur humaine en cénote, comment organises-tu le choix des cénotes? Ouais, alors comment je vais organiser ça? Eh bien écoute, ça va dépendre de plein de facteurs. Premièrement, ça va dépendre de ton niveau de plongée et d'expérience. D'accord? Parce qu'en fait, on va pouvoir plonger tous les jours, on va pouvoir organiser des plongées tous les jours. Et la logique, de manière générale, c'est que en fait, on va aller de plus accessible à de plus en plus technique. Encore une fois, quand je dis plus facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir. Et quand je dis plus technique, ça ne veut pas dire que c'est super compliqué et qu'il faut, nager dans la gadoue, etc. D'accord? C'est juste qu'effectivement, on a des cénotes qui sont plus ou moins lumineux. Donc généralement, on aime bien commencer par des cénotes qui vont être un petit peu plus lumineux, qui permettent de s'adapter gentiment, où on a des espaces qui sont un petit peu plus larges, et pour pouvoir finir potentiellement avec des cénotes qui vont être un petit peu plus réduits d'espace, un petit peu plus obscurs, où on perçoit moins la lumière, même si encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a toujours cette lumière qui est présente, mais on va l'apercevoir un petit peu moins. Voilà, donc c'est vraiment l'idée. Puis il y a aussi cette notion de profondeur, puisque on a vu effectivement que certains cénotes sont des cénotes profonds, des plongées qui vont se faire dans la zone des 30, 40, voire 50 mètres. Donc ça va être aussi un autre facteur qui va faire qu'on va décider ou non de pouvoir faire ces cénotes en fonction de tes niveaux de formation, etc., etc., de ton expérience de plongée. Voilà. J'espère avoir répondu à tes questions. Voilà. Je tiens aussi à signaler que, évidemment, vous pouvez nous écrire sur la page d'une académie, sur d'une Mexico pour plein d'informations aussi sur les cénotes, mais vous pouvez aussi contacter le Théo. Parce que le Théo, si vous voulez avoir de d'une, si vous voulez avoir des tout packagé avec justement aérien, hébergement et forfait plongée. Ils vont absolument pouvoir vous organiser ça et les collègues qui sont à Marseille font un super boulot. Ils ont plein d'informations aussi et très certainement qu'ils vont pouvoir aussi vous faire un petit forfait sur mesure. D'accord? Perrine, évidemment, on t'attend pour le live sur l'apnée. Absolument. Cathy, ça donne envie de venir faire des bulles chez vous. Salutations de la Réunion. Eh bien, écoute, avec grand, grand plaisir, quand tu veux, j'ai envie de dire, enfin, quand tu veux, quand tu pourras, quand on pourra aussi, parce que je ne crois pas en avoir parlé, mais on est aussi au Mexique dans la même situation que vous actuellement, enfin, que vous, je ne sais pas comment ça se passe à la Réunion, etc., mais en tout cas en Europe, on est, voilà, ça c'est mon bureau. C'est pour ça que des fois, quand j'ai un petit peu trop la nostalgie de la plongée spéléo, j'ai toujours mes petites affaires ici avec mon petit casque de plongée qui permet justement de pouvoir m'assurer que je n'ai pas complètement perdu les éléments pour pouvoir faire mes plongées spéléo. Voilà. En tout cas, voilà pour les plongées cénotes. Eric, tac, 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 effectivement. Ok, super, voilà. Donc, je voulais juste terminer très rapidement cette petite présentation. Je vous remercie énormément de votre patience et de votre intérêt. Je suis content de voir que vous êtes nombreux. Pour vous parler un petit peu de tout ce qui est annexe, un petit peu à la plongée en cénote. C'est que justement, ça a été mentionné, je crois, par Louise, par Lisa. Effectivement, il y a aussi cette possibilité de vous former à devenir des plongeurs caverne, des plongeurs spéléo, avec différentes techniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès à la plongée spéléo implique aussi un accès à ce qu'on appelle la plongée technique. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, parce que c'est réellement de la plongée technique, puisqu'en réalité, on va devoir passer sur des configurations double bouteille ou en simont. Ok, Eric, juste pour toi, je remets le casque, Eric, puisque a priori, je vais voir si j'arrive à tenir de finir le live comme ça. Ça fait très bizarre, mais déjà que c'est pas facile de parler à une caméra, mais alors avec un casque et deux lampes sur la tête, c'est encore plus surprenant. Donc voilà, je voulais juste aussi vous parler du fait qu'effectivement, on a ces formations qui existent, d'accord, qui vous permettent de pouvoir justement profiter d'accéder à ces plongées sous toit de manière générale.
Ça s'adresse à qui? Le SciMont, on va pouvoir le faire notamment à partir de n'importe quel niveau de formation de plongée, depuis les open water. Oui, tout à fait. On a des ambiances cavernes qui sont justement pas trop confinées. Et alors, je voudrais vraiment. Alors, si ça n'a pas été clair, je voudrais vraiment revenir sur ce point-là parce que c'est très très important. Les plongées cavernes, c'est vraiment pas anxiogène comme environnement, d'accord? Oui, on a des environnements qui sont un petit peu plus obscurs, qui peuvent paraître un petit peu plus, etc. Mais de manière générale, il faut bien comprendre qu'on est sur des. Merci Grégory. On parle pas de la GoPro, non? Non. Et du coup, non, j'aurais même tendance à dire que la plupart des cénotes, en réalité, des plongées qu'on va faire en cénotes en grotte, sont des environnements super grands, super larges et avec de la lumière. On a un toit sur la tête, ce qui veut dire qu'effectivement, on ne peut pas faire une remontée directe verticale à la surface, mais on n'est jamais bien loin de la sortie de naturelle. En fait, les lampes, on pourrait même carrément s'en passer, quoi. D'accord? C'est juste pour avoir un petit peu plus de lumière. Ça n'enlève pas que si après on veut des choses un petit peu plus techniques, un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus, ça fait cave ou quoi que ce soit, on va pouvoir le faire. Mais de manière générale, les plongées cavernes, vous allez dans des endroits comme Chacmol, vous allez dans des endroits comme Dossoro, c'est un petit peu plus sombre. On a des endroits comme le Jardin d'Éden. On a une plongée qui est magnifique où on va passer justement par une belle couche d'halocline. Ensuite, on ressort sur un autre cénote qui forme une espèce de C. On a ces rideaux de lumière qui sont là. Enfin, non, on est à la lumière du jour, littéralement, d'accord? Et on a de l'espace. On a de l'espace sur les côtés, on a de l'espace sur la hauteur. Voilà. Encore une fois, on n'est pas en train de comment s'appelle, de crapahuter ou de ramper dans la boue. Hein, vous remarquez, j'aime bien ce mot crapahuter dans la boue. Voilà. Quel est alors je vais répondre à une question plus facile d'abord. Si Malice t'a visité, à combien à peu près? Alors, je vais être très très prétentieux puisque j'ai envie de dire que elle est infinie la visibilité, littérale. Dans de l'eau douce qui est complètement filtrée par la roche. Et en fait, on a une luminosité, je sais pas, j'ai envie de te dire 50, 60 mètres. Enfin, fou, c'est sans fin. On arrive à voir des murs qui sont à plusieurs dizaines de mètres de distance. J'ai tranquillement envie de te dire, je sais pas, 40, 50 mètres, ça passe, mais sans problème de visibilité. Hein? Voilà. Est-ce que certains cénotes sont un peu limite niveau lumière et du coup, ils utilisent des lumières artificielles pour que tous les plongeurs puissent y aller? Alors, toutes les plongées cénotes vont se faire accompagnées d'une petite lumière, d'accord? Ce genre de lumière qu'on a ici, par exemple, que j'ai, je présentais un petit peu avec mon casque, mais effectivement, vous en tant que plongeur, vous allez avoir ce genre de lampe, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un cénote qui est super lumineux ou si vous êtes dans un cénote qui n'est pas du tout lumineux, on va avoir cette petite lampe qui va permettre de pouvoir mieux voir. Et aussi, on verrait qu'en réalité, on utilise aussi les lampes pour la communication. D'accord? Donc ça, c'est différentes choses que j'ai pas envie de développer trop maintenant, mais c'est l'idée. D'accord? En ce qui concerne, voilà, au niveau de la lumière. Au niveau de mon souvenir grandiose de plonger ces notes, pour répondre à si, j'ai un excellent souvenir d'une plongée qui est vraiment incroyable. Alors c'est de la plongée spéléo, d'accord? C'est pas que de la caverne, mais dans un cénote notamment qui s'appelle. Oui, il a l'air très sympa, Reda. Hein effectivement. Et bien, écoute, je pourrais te le prêter. C'est une plongée qui s'appelle Blue Abyss. Et c'est un nom qui est déjà très équivoque, effectivement. Mais en fait, bah, il faut imaginer une plongée où on a 45-50 minutes de galerie pour souterraine, enfin immergée pour arriver. Et là, on arrive sur un énorme effondrement qui descend à 80-85 mètres. Et il y a une lumière, enfin il y a pas de lumière, mais la lumière qui est réfléchie sur les parois, sur l'eau, etc. Et d'un bleu, mais incroyable. Donc voilà, c'est un très très grand souvenir et même je dirais que l'expérience un petit peu de se dire ça fait 45 minutes que je suis dans une galerie inondée et là je tombe sur un effondrement enfin voilà c'est quelque chose un petit peu voilà l'idée un petit peu de la plongée spéléo de manière générale c'est aussi quelque chose qui est très en interne au niveau des
Visiter un chini. Et encore, c'est parce que je n'ai pas parlé des sardines, hein, parce que si on parle des sardines, là, c'est terminé. Ok. Donc voilà, je pense avoir répondu, à l'ensemble des questions. Lisa, on a vu un petit peu. Oui, effectivement, j'ai répondu aux questions hier. Voilà. Donc voilà. Juste pour terminer très rapidement et faire une petite conclusion. Donc n'hésitez pas à, si vous avez des questions, vous pouvez pareil, Sandrine, je pense que de toute façon, on a un petit peu fait le tour de la question. Je te remercie beaucoup de tes interactions, Sandrine, merci beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à nous questionner, soit sur le Facebook de Dune Academy, soit sur le Facebook de Dune Mexico. Vous pouvez aussi contacter, comme je vous disais, les tour opérateurs qui vont pouvoir vous organiser la carte, qui inclut autant de la plongée cénote, mais pas que, d'accord? Rappelez-vous aussi qu'on a des super environnements de plongée marins. Moi, je voulais vraiment vous parler des cénotes parce que c'était un petit peu comme vous me dites que les... Ben, voilà, exactement, Malice, on en est bien d'accord, d'accord? Donc, si vous voulez préparer votre voyage super particulier, super unique, super différent de ce que vous avez pu faire avant, venez nous voir au Mexique. Rappelez-vous aussi on va pouvoir suivre d'autres lives qui vont être faits par des collègues un petit peu partout autour du monde. On a le prochain live qui est prévu, c'est Karl. Karl, il va nous parler un petit peu de Bali. Donc, on passe du Mexique à Bali, on passe des cénotes à la vie balinaise. J'avoue que je me rappelle plus trop de la date, mais vous allez pouvoir trouver sur la. Il me semble que c'est mardi, si je dis pas de bêtises. Je vais me faire taper sur les doigts par Laure et Julie si je donne pas la bonne info. Mais pour ça, on a le petit encadré qui nous donne les dates. Vous avez aussi évidemment Eric qui fera une super animation sur la plongée en apnée. Et n'hésitez pas à revenir avec notre ami Marc qui va pouvoir nous parler un petit peu de tout ce qui est sécurité et plongée, d'accord? Comme ça, quelle que soit votre destination de choix, quelle que soit votre activité, vous faites tout la sécurité. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Autant, voilà, mardi 11h30, effectivement, pour le live de Karl. Pour moi, ça a été un véritable plaisir de partager avec vous ce moment de plongée, ma passion pour les cénotes, ma passion aussi pour le Mexique et pour l'environnement. J'espère que vous allez tous très 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 vite vous récupérer à une vie plus normale et que on puisse tous se retrouver très très prochainement dans l'eau, sous l'eau, quelle que soit la destination, aller faire des bulles. Continuer à être curieux, à aller visiter des différents endroits. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais un grand au revoir et je vous embrasse de très très loin. D'accord? Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.